Et bonsoir tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle son sur la chaîne. On est avec Alex aux commandes de la caméra. Comme d'habitude, hein. Ouais, salut Alex. Ça va tranquille, Alex? Ouais, ça va. Aujourd'hui, les mecs, on parle son. Franchement, je suis super content. Ça faisait déjà un petit moment que je devais l'installer. Ça faisait un petit moment qu'on en parle aussi avec Alex. Et donc, là, les mecs, vous le savez très certainement, si vous suivez bien la chaîne, on avait présenté le Ultima Apollo P40. Là, je vous propose le Ultima Poseidon D60. Donc, c'est un système audio Dolby Atmos 5.1. On va donc avoir une barre de son, un caisson qu'on va mettre à côté de son canapé et deux petites enceintes qu'on va mettre derrière. Alors, d'après Ultima, apparemment, c'est les seuls à proposer un système Dolby Atmos 5.1. En dessous des 200$, les mecs. Ça vaut le coup d'œil. Allez, je vous propose tout de suite l'unboxing, bien sûr, en bonne et due forme, comme il se doit. Mais avant ça, je vous propose, comme toujours, de rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, je vous répondrai. Et on est parti pour l'unboxing. Franchement, j'ai hâte de découvrir ça. Ça fait un petit moment qu'on doit s'y attaquer, Alex. Ça fait un moment qu'on le dit, ouais. Ça fait un moment qu'on le dit, hein. Voilà, en fait, on va avoir une barre de son, deux petites enceintes sur les côtés, et un caisson de basse. Alors moi aujourd'hui en système de son, j'ai également une barre de son, une Dolby Atmos. Par contre, j'ai juste une barre de son et un caisson de basse. J'ai hâte de voir ce que donne ce système audio Poseidon D60 parce que bon, en termes de qualité de son, la Sharp elle est juste incroyable avec le caisson de basse. Après, on part pas sur le même budget. L'ensemble Sharp vaut quand même, je crois, aux alentours des 500€. Donc là, on est sur quelque chose avec un bon rapport qualité-prix en dessous des 200$. Donc ça doit faire quelque chose, je crois qu'on a vérifié juste avant la vidéo, 180 et quelques euros. La petite carte Ultima, carte de visite, ça fait plaisir. Comme d'hab, je vous mettrai les liens dans la description, les mecs. On va avoir bien sûr classique, un branchement fibre audio, des chevilles, des vis. On a tout un tas de fils, les mecs. Donc 1, 2, 3, 3 fils pour pouvoir brancher les enceintes. J'espère qu'on va avoir assez de longueur. Ça, ça va être la prise, je pense, soit pour la barre de son. Non, ça, ça va être pour la basse. C'est sûr, ça va être pour la basse, les mecs. Donc, prise électrique. Ça, ça va être le transfo pour la barre de son. Une télécommande qui a l'air plutôt quali, franchement. Donc, avec le surround, la basse, voilà. Une télécommande bien quali. Je vais vous dire tout de suite s'il y a des piles à l'intérieur ou pas. Alors, est-ce qu'ils ont serré le prix jusqu'à pas donner de piles? Roulement de tambour. Attention, Alex, d'après toi, il y a des piles ou pas? Quand même, je pense. Je pense qu'ils sont sympas d'avoir mis une pile, au moins. Ils sont sympas. Attendez, j'ai géré. Eh ben non. Tadam. Alors attends, mauvaise langue. Peut-être qu'il y a des piles dans le packaging. En tout cas, là, moi, j'ai pas de piles, hein, tu vois. Ah oui, cochon. Sinon, on passait peut-être à 202$. Ça, ça va être pour tenir les enceintes par rapport sur le mur ou quoi, si vous voulez faire des trous partout. On va avoir ensuite, donc, protection. C'est quoi, ça? Des vis. Mon petit sachet de vis, cochon. La barre de son. Ouais, c'est une petite barre de son, hein. Après, peut-être ça pète aussi, hein, tu vois. Voilà. Bien. Mais c'est vrai que là, tout de suite, je la mets à côté de la Sharp. Après, ça fait quelque chose de minimaliste. Tu vois, voilà. Faut voir, cochon, ça veut rien dire. Franchement, ça veut rien dire. Ça peut péter la mort, mon vieux. Mais c'est vrai que là, tout de suite, tu vois, ça fait une, deux, trois barres de son. Après, ça fait quelque chose de minimaliste. Donc, ça peut faire super classe dans un salon. De toute façon, vous allez me voir. Je vais, voilà, on va bien régler tout ça avec Alex. Waouh, ouais, ok, d'accord. Ça, c'est la basse. Ouais, le caisson. Donc ouais, de toute façon, je vais virer mon système audio là pour tester celui-ci. La basse, elle est petite la basse, hein. Elle est petite cochon. Hein. Après, ça veut rien dire. Voilà, on a l'enceinte en dessous, on a les vents derrière, bien sûr. Si je fais la comparaison, allez cochon. C'est vraiment ce qui me manquait ça, tu vois. Deux petites enceintes derrière. Ça peut faire, tu vois, ça peut faire toute une différence. Moi là, j'ai juste la barre de son, la basse derrière. Donc là, on va rajouter deux enceintes. La basse, la barre de son et deux enceintes derrière sur les côtés, histoire de spatialiser un petit peu le son. On est bien sûr sur du Dolby Atmos 5.1. Je crois que je l'ai dit en début de vidéo, cochon. Ouais. Donc ça, c'est les petites enceintes qui vont aller derrière. Ça fait un système de son minimaliste, tu vois. Voilà, minimaliste. Mais franchement, si ça fait bien le taf, ça, c'est le chat. Tu veux l'ouvrir? Hein? Ouais, cochon. Est-ce qu'il va rentrer? Tu veux rentrer? Ah bah, eh ben, il reste dehors. Ouais. Allez, vas-y. Deuxième enceinte, parce qu'on en a deux pour le coup. Et donc là, tac, là, on a le système audio complet, les mecs. C'est-à-dire la basse, deux enceintes et la barre de son. Déjà, j'attends une bonne qualité de la part de Ultima, parce que le Apollo P40, c'est vraiment
Je trouve que c'est une référence en termes de rapport qualité-prix par rapport à un vidéoprojecteur. Je l'avais présenté sur la chaîne. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une référence en rapport qualité-prix pour un vidéoprojecteur. Donc, j'en attends pas moins de ce système Dolby Atmos, les mecs. Bon, on est parti pour tout installer avec Alex. Et du coup, on va voir ça tout de suite après. On va voir ce que ça donne, hein. Ouais, on va voir ce que ça donne. Allez, on installe ça. Bon, on a fini de tout installer avec Alex. Installation très facile, les mecs. Puisqu'en fait, si vous voulez, les fils... Alors, vous allez mettre les deux enceintes ici. Voilà, ils vont se retrouver sur le fond. Vous allez mettre le caisson de basse juste ici. Donc, en fait, il va se retrouver à côté de votre canapé. Et devant, vous allez mettre la barre de son. Et en fait, si vous voulez, l'installation est très facile. Puisque les deux enceintes vont venir se relier directement sur la basse. Et moi, je pensais qu'en fait, on allait se retrouver avec des fils qui allaient pendre de partout, de la barre de son jusqu'aux enceintes derrière. Ce qui aurait été vraiment très dommage. Mais du coup, en fait, Ultimea, ils ont pensé à tout. Et vraiment, c'est une installation qui se fait en 2-2, quoi, tu vois. Au mieux, si vous voulez faire les choses bien, vous avez deux petits trous à faire dans votre mur pour poser les enceintes. Et si vous voulez pas faire de trous, si par exemple, vous avez des meubles derrière, vous avez des petits patins sur les enceintes. Et ça va vous permettre de, par exemple, les poser directement sur un meuble derrière, si vous avez une étagère ou quoi. Donc voilà, pas forcément besoin de percer votre mur. Au niveau du son, bah franchement, ça marche très bien. On a fait des petits tests en surround et tout, et nickel, voilà, le son est bien spatialisé. Lorsqu'on se met sur le canapé, on entend bien que le son vient de devant, derrière, ça vient de partout. Ça n'a absolument aucun intérêt de vous faire écouter le son à travers mon micro. Alors vraiment aucun intérêt. Mais je le fais quand même. Je vous fais écouter le son à travers le micro. Eh hey, cochon, il est bon le son là. On est bien là. Ouais, je t'entends plus mais bon. Eh, là l'installation mon gars, là on est OP franchement. Avec les petites enceintes, le son spatialisé derrière et tout. Alors, au niveau puissance, c'est puissant, voilà. C'est franchement, il y a un bon son. C'est peut-être un peu moins puissant que l'installation que j'avais avant, mais avant, j'avais juste une barre de son et un caisson de basse sur le côté. Voilà, ce qui fait que le son n'était pas bien spatialisé. Quoique, cochon, comme je te le dis, hein, c'est vrai qu'avant, juste avec la barre de son et le caisson de basse à côté, et lorsqu'il y a quelqu'un qui frappe dans une porte dans un film, je me lève et je vais voir la porte, hein. Tu vois, je te jure, hein, juste avec la barre de son et le caisson à côté. Bah alors là, gros, dès que ça va frapper, je vais regarder partout, tu vois, voilà. Là, on a carrément, voilà, on a une enceinte derrière, on a deux enceintes derrière, on a trois enceintes. Bon, avec le caisson derrière, bon, la basse, vous allez la poser par terre, vous allez ressentir la basse dans le sol, hein, voilà. Ça va faire de la vibration. Et puis, bah, devant, on a la barre de son. Et franchement, bah, c'est génial, gros. Hein. Là, comme ça, cochon. Comme ça, cochon. Il est posé, ce cochon. L'a posé. Et franchement... Regarde, écoute les criquets, cochon. Écoute les criquets. Ah, d'après moi, je suis pas là-bas, donc... Ouais. Moi, je les entends, là. Là, il y a une sauterelle à côté de moi, là. Qui me fourmille dans l'oreille. Si, si. Ah, mais moi, j'entends pas, parce que je suis trop loin. Je suis pas là-bas. Eh oui, cochon. Eh oui. Non, non, franchement. Alors après, Ultimea se disent... Les premiers, les seuls à avoir un système Dolby Atmos 5.1 en dessous des 200$. Et là, les mecs, en dessous des 200$, alors je dis bien dollars, hein, en euros, ça fait 180 et quelques euros, un truc comme ça, tu vois. Voilà, en dessous des 200 balles, les mecs, franchement, on est vraiment pas mal. Hein. On est bien. C'est une pub, ça? Ah non. La cochon. On est pas bien là? On est bien là? Tiens. À gauche. Ouais. Gauche. La gauche. Là, là, ça vient du devant. Ouais. Ah ouais, ouais, cochon. Non, franchement. On entend quand même pas mal le son de devant. On entend beaucoup le son de devant quand même. Ouais. Le son de devant domine. Clairement, voilà, le son de devant domine. Il domine. On a du son à l'arrière, mais c'est le devant qui domine. Quand même. Hein. Par rapport au son de l'arrière. Après, faut tester avec des bons films en 5.1. Peut-être que, voilà, on a essayé tout à l'heure avec Alex de faire des réglages dans les paramètres et tout.
On était en train de tout dérégler, donc c'était un petit peu la misère. Mais là, franchement, non. Moi, je trouve que ça me va bien. Alors, effectivement, tu peux pas voir le son du cinéma de chez toi avec 200 balles. C'est pas possible. Mais sinon, voilà, moi, je trouve que ça marche très bien. Et bah, ça me va bien. Pour le prix, il y a un bon rapport qualité-prix, encore une fois, chez Ultimer. Il y a déjà un bon rapport qualité-prix au niveau de l'Apollo P40. Il y a un bon rapport qualité-prix sur le Poséidon D60. Coup de cochon. Hein? Ouais. Eh! 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 On est bien là! Là, là t'entends bien le son qui vient derrière et tout? Hein? Ça dépend les vidéos. Hein? Ça dépend les vidéos. Ouais, voilà. Ouais, ça dépend les vidéos. Voilà. Après, faut pas oublier que YouTube aussi, par rapport au rendu, il compresse. Ouais, mais ça, c'est pour la qualité visuelle. Ouais. Mais ah, c'est vrai que oui. Il compresse l'audio aussi, je crois. L'audio ? Ouais, il compresse tout. Hein. Je sais pas. Mais c'est vrai que ça va dépendre des vidéos que vous regardez. Voilà. Je sais pas si tu regardes un... Est-ce que si tu regardes un simple film en stéréo, est-ce que ça a... comment dire ? Est-ce que ça a de l'intérêt Je sais pas. Je sais pas. À tester. À tester ? Bah, je vais le tester de toute façon. Bah ouais. Parce que bon, là, l'installation vient juste de se terminer. Je vous donne un petit peu mon appréciation à chaud. Voilà, c'est vrai que là, il faut que je teste pendant quelques jours, quelques semaines, tu vois, ou quelques jours devraient suffire. Mais voilà, histoire que je teste bien, et pourquoi pas vous donner un retour dans une future vidéo. En tout cas, je vais échanger, bah, j'ai déjà échangé mon système Sharp contre celui de Ultimea. Je l'ai échangé, pour moi, le son, je sais pas s'il est de meilleure qualité, mais il est mieux spatialisé. Donc forcément, la qualité est là. Il y a une meilleure spatialisation du son. Donc pour moi, c'est meilleure qualité, les mecs. Voilà. Pour 200 balles, je pense qu'on est vraiment très très bien au niveau rapport qualité-prix. En tout cas, les gars, les filles, si cette vidéo vous a plu, bien sûr, comme d'hab, je vous invite à mettre un petit like. Vous pouvez également mettre un petit commentaire. Je vous répondrai comme d'habitude. Et puis si vous voulez plus d'infos sur le Ultimea Poséidon D60, je vous invite à vous rendre dans la description. Il y a un petit lien avec normalement un petit code promo si tout va bien. Mais voilà, en général, là, en ce moment, c'est les promos et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous voulez plus d'informations. Moi, je vous dis à bientôt. Merci, Alex, d'avoir tenu la caméra et pour la petite installation. C'est cool. Avec plaisir, comme d'habitude. Et nous, on se dit à bientôt, les mecs. Ciao, tout le monde. Salut. À plus.